Salut tout le monde, je m'appelle Shelly et j'ai 16 ans. Dis-moi, t'as déjà entendu cette expression stupide ? Entre amour et haine, il n'y a qu'un pas ? Je me suis toujours dit que c'était complètement absurde. Jusqu'à ce que je réalise à quel point c'était vrai. Tu veux savoir ce que j'ai appris ? Alors abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Probablement depuis que j'ai regardé Spy Kids pour la première fois à l'âge de 5 ans. Mais bon, je n'ai jamais eu de frère ou de sœur. Mais au moins j'avais Alex, mon meilleur pote. On était toujours inséparables, depuis la toute première année qu'on se connaissait. On aimait les mêmes choses et on partageait tous nos secrets. Alex a toujours été le gars le plus cool que je connaisse. Mais le problème était que j'étais la seule à savoir à quel point il était cool. À l'école, il se fondait vraiment dans le décor. Il rêvait plus que tout d'intégrer l'équipe de football américain. Sauf qu'ils ne l'ont jamais laissé faire, parce qu'il disait que c'était un nerd et un mec chiant. Tu ne peux même pas imaginer à quel point ça travaillait Alex. Après tout, il était parfait pour l'équipe. Mais un jour, le problème s'est résolu de lui-même. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Ce jour-là, je marchais dans le couloir de l'école, quand j'ai entendu une conversation entre les membres de l'équipe de foot. Ils avaient l'air très contrariés. Leur capitaine, Eric, disait « Eh bien, ça va vraiment être le début de saison le plus déprimant. » Je me suis demandé ce qu'ils voulaient dire par ça. Je me suis approchée d'eux et je les ai espionnés. Apparemment, ils avaient prévu de fêter le début de la saison chez un des joueurs. Mais ses parents l'avaient interdit au dernier moment. Maintenant, ils n'avaient nulle part où organiser la soirée. C'est là que j'ai une idée géniale. Sans hésiter une seconde, j'ai couru vers eux et j'ai dit « Bonjour, vous avez besoin d'un endroit pour faire la fête, hein ?» Ils m'ont tous regardé incrédule. Mais après quelques secondes, Eric a répondu « Ouais, c'est vrai. » J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai continué. « Venez chez Alex, il organise les meilleures soirées et ses parents ne seront pas là. » Ils n'ont même pas compris de qui je parlais au début, mais j'ai vite tout expliqué. Puis je leur ai expliqué comment se rendre chez Alex et je leur ai laissé mon numéro de téléphone au cas où. Et puis, rayonnante de joie, j'ai couru à la cantine pour annoncer la nouvelle formidable à mon pote. « Alex, Alex, tu ne croiras pas ce qui vient d'arriver. J'ai invité toute l'équipe de football chez toi pour faire une grosse soirée. Et ils ont accepté de venir. » À ce moment-là, j'étais folle de joie. Puis j'ai vu la réaction d'Alex. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. Son visage a complètement changé et il est devenu tout rouge. Il m'a demandé d'une voix tremblante. « Shelly, t'es sérieuse là? Je t'ai demandé de faire ça ou quoi ?» Ça m'a tellement blessée. J'ai failli éclater en pleurs sur le champ. J'avais tellement voulu aider Alex à réaliser son rêve. Mais au lieu d'un merci, j'ai eu ça. Complètement bouleversée, je me suis levée de table et j'ai quitté la cantine. Je ne voulais même plus le voir. Après quelques temps, je me suis un peu calmée. Puis Alex m'a expliqué pourquoi il avait réagi comme ça. Il m'a dit que ses parents, qui étaient policiers, venaient de partir en voyage d'affaires pour les prochains jours. Mais le problème était qu'Alex était censé s'occuper de son frère Kevin pendant leur absence. Et tu sais comment il peut faire des crises de colère? Je ne pourrais pas le laisser seul même un instant, m'a dit Alex. J'ai secoué la tête et j'ai commencé à trouver un nouveau plan. Je lui ai promis de garder un œil sur Kevin pendant la soirée et de m'assurer que les invités se comporteraient bien. Après quelques heures de persuasion, Alex a finalement accepté. Le lendemain, je me suis levée tôt et je suis allée avec Alex et son frère au magasin pour acheter plein de snacks avec tout l'argent de poche qu'on avait. Puis, je l'ai aidé à nettoyer un peu la maison et à faire une playlist sympa. Enfin, les premiers invités ont commencé à arriver. Au début, tout se passait à merveille. Pendant que je jouais avec Kevin dans sa chambre, Alex faisait peu à peu la connaissance des gars de l'équipe de football. Je l'ai vu rigoler et s'amuser, entouré des autres joueurs. Et je l'imaginais déjà sur le terrain, au sein de la nouvelle équipe. Mais tout d'un coup, un boom assourdissant est venu du premier étage. J'ai couru pour voir ce qui s'était passé. Et je ne pouvais pas en croire mes yeux. Trois types me regardaient d'un air coupable. Et un vase de cristal brisé gisait sur le tapis. J'ai regardé autour de moi. Et j'ai réalisé que pendant qu'Alex était parti acheter de quoi grignoter au magasin, les invités avaient complètement saccagé la maison. Il y avait des photos de famille, une peinture de valeur et des verres cassés par terre. J'ai crié hors de moi « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vu le ballon de football avec lequel ces cons avaient décidé de jouer à l'intérieur. Et tu crois que qui que ce soit s'est porté volontaire pour m'aider ? T'as cru ? Ils sont tous partis, comme s'ils n'avaient jamais été là. Quand Alex est venu, il ne restait plus que moi. Enfin, il y avait juste Kevin qui jouait dans sa chambre au deuxième étage, inconscient de tout ce qui s'était passé. Quand mon meilleur pote est enfin entré dans le salon, j'ai eu tellement honte que je pouvais à peine le regarder. « Alex, je peux tout expliquer. » Mais il était fou de colère. Il m'a crié dessus. « Shelly, tu m'avais promis. Je savais que ça finirait comme ça. T'as une idée de ce que mes parents feront quand ils verront ça ?» J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais c'était inutile. Il s'est juste énervé de plus en plus, jusqu'à ce qu'on soit presque en train de se battre. Apparemment, on s'engueulait tellement fort qu'on a fait peur à Kevin. Il est arrivé derrière nous d'un coup et nous a menottés l'un à l'autre. J'ai à peine compris ce qui venait de se passer. J'ai lâché. « Kevin, qu'est-ce que tu fais ?»« Maintenant, vous ne vous battrez plus !» m'a dit Kevin en me tirant la langue. « Kevin, enlève ça tout de suite !» a crié Alex avec un ton qui m'a fait peur. Kevin a fondu en larmes et s'est enfui dans une autre pièce. Menottés ensemble, on a passé 2 heures à chercher Kevin dans la maison avec Alex. Mais il était introuvable.
C'est à ce moment-là qu'on a eu très très peur tous les deux. On est sortis, on a passé le reste de la nuit à chercher le gamin, dans les rues et les ruelles sombres, dans les cafés et les magasins ouverts toute la nuit. Kevin avait juste disparu. Et le pire, c'est qu'Alex a refusé de me parler pendant tout ce temps. Je lui ai proposé prudemment. Écoute, peut-être qu'on devrait appeler la police après tout. Il m'a regardé comme si j'étais devenue folle. Puis il m'a répondu, tremblant de rage. T'es folle ? Mes parents sont flics. Ils pourraient avoir des ennuis. Tu peux imaginer ce qu'ils vont me faire quand ils découvriront que j'ai détruit toute la maison. Et même perdu mon frère, hein ? Il avait raison. On ne pouvait rien faire d'autre. Juste retourner chez lui et attendre qu'un miracle se produise. J'ai menti et dit à mes parents que je passais la nuit chez une autre pote. Et le lendemain, Alex et moi sommes allés à l'école comme d'habitude. On aurait aimé ne pas y aller, mais on avait un examen important qu'on ne pouvait absolument pas rater. Tu te demandes peut-être comment on a réussi à cacher notre petit secret au prof. C'était facile. Alex était gaucher. Donc c'était facile pour nous de cacher nos mains sous le bureau. J'ai aussi rempli la feuille d'Alex pour me rattraper un peu. Lui, il n'avait pas révisé, comme d'habitude, et moi... Bon, j'étais un peu l'élève parfaite, quoi. Mais même ça, ça n'a pas aidé. Alex ne voulait toujours pas me parler. Et c'était même pas le pire. Quand on est rentré chez lui en espérant y trouver Kevin, on a vu, pas seulement Kevin, mais aussi ses parents. T'étais où, toi ? On t'a cherché toute la nuit, a crié Alex, regrettant immédiatement ses paroles. Apparemment, son frère s'était caché dans le garde-manger pendant tout ce temps. Et évidemment, on avait oublié de chercher là-dedans. D'ailleurs, il avait les clés des menottes aussi. Mais leurs parents n'ont pas engueulé Kevin, normal. Par contre, Alex s'en est pris plein la tronche. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Alex ? On est parti que 2 jours et t'as réussi à détruire la maison et à perdre ton frère ? A gueulé son père. Et au lieu de garder le silence ou de prendre tout le blâme, Alex a commencé à expliquer à ses parents que tout avait été mon idée, que j'avais forcé à organiser la fête et que j'avais emmené ses joueurs de football mal élevés chez lui. Je l'ai écouté et j'ai eu la tête qui tournait. Je ne voulais pas croire qu'Alex était capable d'agir comme ça. Donc, dès que j'ai été libérée de ces maudites menottes, je me suis précipitée chez moi, espérant passer tout le week-end sans voir ce traître. Sauf qu'une autre surprise m'attendait à la maison, comme si la journée n'était pas déjà assez horrible. Pendant que j'étais en route, les parents d'Alex avaient déjà appelé les miens et leur avaient tout expliqué. J'ai été punie pour 1 mois entier. Qu'est-ce qui pourrait être pire encore ? Mais pour être honnête, ça ne me faisait rien. Je n'avais personne avec qui sortir de toute façon, vu que mon amitié avec Alex était terminée, après tant d'années. Pendant le mois qui a suivi, on se harcelait tellement à l'école que le prof a dû nous séparer. Mais ça n'empêchait pas Alex de faire des commentaires stupides sur moi, pendant les pauses. Mais je ne me laissais pas faire. Et puis un jour, je marchais dans le couloir pour aller en cours de sport, quand j'ai vu Alex entouré des gars de l'équipe de football. J'ai eu peur qu'il soit sur point de lui faire du mal, mais je les ai entendus dire « Mec, tu veux jouer avec nous ? Ta soirée était la meilleure soirée qu'on a eue depuis longtemps. Ça serait cool de passer plus de temps avec toi. » Je n'en croyais pas mes oreilles. J'avais eu raison tout ce temps. Avec un regard triomphant, je suis passée devant eux, sans même me retourner, en espérant qu'Alex se rende enfin compte de ses erreurs et qu'il s'excuserait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce soir-là, il s'est présenté devant chez moi avec un bouquet de fleurs et a commencé à me demander pardon. Il m'a dit qu'il était incroyablement reconnaissant et qu'il avait compris à quel point il avait agi comme un con. Pour être honnête, j'étais toujours un peu blessée, mais j'étais très heureuse pour lui. Après tout, je lui avais mis la pression et je n'avais pas tenu ma promesse. Donc, on se méritait l'un l'autre. Depuis ce moment-là, on est redevenus inséparables. Mais maintenant, quand on organise des soirées, on veille à ce que personne n'apporte un ballon. Tiens, dis-moi dans les commentaires, tu t'es déjà engueulé avec tes meilleurs potes ?